Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être un autre haul AliExpress. Et je vous ai déjà préparé les découpes pour vous montrer. Juste un instant, je vais baisser un peu le volume de la musique. Bon. Je vous ai déjà préparé ce que ça donne en découpe. Donc, je voulais faire des découpes de mer. Je vais faire des cartes avec des sirènes et tout ça. Puis, je me cherche toujours des corails, des coraux. Donc, j'ai celui-ci. Et voici ce que ça donne. Oups, j'ai un petit peu à le mettre sur un papier peut-être plus foncé. Ça sera pas long. Ah, oh, tiens, je vais prendre mon petit tapis de souris. Donc, voici ce que ça donne. Je trouve ça superbe. Pour mettre mes petites sirènes, là, ça a été parfait. Donc, ça, c'était pour celui-là. Puis, les dies, je n'ai pas les prix par cœur parce que ça fait très longtemps qu'ils ont été commandés, ces dies-là, à cause de la COVID, là, tout est retardé, puis tout ça. Fait que je ne sais pas combien j'ai payé pour ce dies-là. Désolée. Puis je ne peux pas vous dire les dies. C'est en moyenne entre 2 et 5 $. C'est rare que je paye en haut de 5 $, à moins que ce soit comme pour la structure de mes boîtes ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'était pour mon petit corail. Après ça, j'ai. Bon, vous savez, je suis maniaque des fleurs. J'adore faire mes propres fleurs. Puis j'en ai pas des étroites comme ça. Fait que j'ai fait venir, et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment beau. Ça fait comme une espèce de marguerite. Et voilà. Donc, je trouve ça vraiment beau. C'était pour ces fleurs-là. Après ça, ah oui, encore des fleurs. Tant qu'à rester dans les fleurs, j'ai ces pétales-là. Attendez, il m'en manque. Et quatre. Je pense que j'en ai un autre. Non, quatre, c'est bon. Ces pétales-là, ça donne cette jolie fleur. Donc, je suis très satisfaite de ça aussi. Pour le cœur de ma fleur, c'est bon, c'est des découpes comme ça. Et les dies. Ce sont tout. Je savais que j'aurais dû me mettre ça dans un petit pot pour que ça reste tout. Mais bon. C'est des dies comme ça. Il y en a une troisième, moyenne. Mais présentement, je ne la trouve pas. On peut glisser. Non, à part de l'air d'avoir glissé, tu montes la peau. Très bien. Je ne la trouve pas. Qu'est-ce que j'ai là? C'est ici. OK. Donc, ah, elle est là. Elle était partie justement avec les fleurs. Donc, voici. Et ça donne ça. Je trouve ça superbe pour mettre dans le centre de mes fleurs. Là, je l'ai fait vite, mais on peut mettre aussi des petites perles par-dessus. Fait que ça, c'était pour ça. J'ai reçu aussi des papillons que j'ai demandé il y a très longtemps. Ça, je pense même avant les fêtes. Bon, je bouge beaucoup ma table, là, mais c'est parce que j'ai des trucs qui se glissent en dessous. Donc, très joli. C'est un papillon qui vient en deux parties. Oups, j'ai encore mon tape. Quand j'ai beaucoup de détails comme ça, je le coupe sur ma grosse Big Shot Pro parce que la pression est plus forte, donc je suis obligée de passer moins longtemps. Avec ma Cricut, souvent il faudrait que je passe 4 ou 5 fois pour enlever tout. J'ai essayé avec une feuille de base,
Mais j'aime pas la sensation que ça laisse, là, l'espèce de filtre, de film sur ma déco. Donc, voici le dies et voici ce que ça donne. Là, je ne les ai pas formés vraiment. Mais ça donne ça. Je trouve ça très, très beau. Je l'ai fait en vert et blanc aussi. Comme ça. Très beau. Ça, c'était pas cher. Je pense qu'il était 3 $ le dies. Après ça, on reste dans les papillons. 3. Bon, où est le quatrième? Et que je me cherche aujourd'hui. Bon, voilà. Ces 4 papillons-là, ça donne. Ça donne ça. J'ai beaucoup de papillons, mais j'aime ça en avoir des nouveaux. Puis ceux-là sont un peu plus gros que ceux que j'utilise habituellement. Donc, je trouve ça belle fun. Fait que pour ces 4 papillons-là, les 4 dies, ça c'était assez dispendieux. Je pense que j'ai payé 4 ou 5 $ avec le transport. J'ai ceux-ci. Ça venait en kit. Je pense que c'était 4 ou 5 $ pour les deux. Ça donne. Celui-ci donne ça. J'aime, mais je trouvais ça vide un petit peu. Fait que. J'ai rempli avec des images d'un de mes fils cultes, autant d'emporte le vent, j'ai adoré ce film-là. Puis j'ai imprimé des petites images que j'ai simplement collées à l'intérieur pour faire une carte, puis avec des tickets comme ça que j'ai fait avec cette bande-là. Ça vient de KS Craft. Puis c'est ça, j'ai quand même payé 4 ou 5 $, là. Mais je les trouve super beaux. Après ça, j'ai ce dies-là qui me revient aussi à 4 $ chez Alina Craft qui me donne ceci. Je trouve ça très beau. C'est sûr que c'est un autre genre. Ça, pour une carte vintage, là, ça fait super beau. Je trouve ça vraiment génial. J'ai encore reçu, là, je suis rendue à 3. Narval, qu'on appelle ça? Une petite baleine avec une corne, là. Je suis rendue à 3. C'est les cadeaux qu'ils donnent. Et en cadeau, j'ai eu une petite licorne. Puis, mi bébé. Mi bébé. Je crois que c'est en espagnol, ça veut dire mon bébé. Mais bébé, je suis très contente parce que je vais pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'était les petits cadeaux. Après ça, bien naturellement, on commence les trucs de Noël. Fait que j'ai reçu cette dies-là qui donne. Oups. Qui donne. Oh, ça a tout twisté. C'est le fun. Mon doré commence à se. Ah oh, non, c'est parce que c'est twisté. Bon. Quand j'ai joué à essayer de trouver mes dies tantôt, je l'ai accroché. Puis c'est tellement délicat que ça a twisté. Bon, ça donne ceci. C'est vraiment mignon. Et les détails, c'est vraiment, vraiment délicat. J'aime ça. Sur une carte, là, ça va être superbe. Fait que c'est pour cette dies-là. Puis celle-là, je pense qu'elle n'était pas si chère que ça. Je pense que j'ai payé 3 $. Fait que 3 ou 4 $ là, dans ces eaux-là. La semaine passée, je vous ai dit que je voulais me faire une carte avec un petit lapin dans une carte. Voici ce que mon petit lapin donne. Bon, j'ai pas fait encore. C'est pas dans une carte, c'est dans une enveloppe. J'ai pas fait encore l'enveloppe, j'ai pas fait encore la carte. Je voulais juste vous montrer le petit lapin, ce que ça donnait. Ça vient aussi avec son corps, ses petites papattes, sa queue et tout ça. Mais moi, c'est vraiment ça que je trouvais beau, le mettre dans une enveloppe comme ça, puis qu'il dépasse un petit peu. Donc, voilà. J'ai reçu un étampe que j'ai commandé en double, ça là. Je m'énerve quand je fais ça. Donc, j'ai un autre étampe en double.
Bon, c'est pas grave, on va la mettre avec les items à vendre, puis en espérant la passer. C'est quand même 5 $ cette étampe-là, mais c'est en français. Donc, ça dit « Chérie, chaque moment de ce jour, tu comptes tellement pour moi. Nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour. » Ça, c'est fantastique, mettre dans une carte de mariage. « Toujours et infiniment, je t'aime de tout mon cœur. » Puis, il y avait un petit « Mon amour », mais je ne sais pas pourquoi on ne les reçoit pas, ce petit « Mon amour-là ». Donc, c'est ça. Alors, les petites fleurs, puis c'est ça. Mais j'aime ça, les étampes en français. Fait que c'est tout pour le dies, pour les dies que j'ai reçus cette semaine. Puis, j'ai terminé mon diamond painting. Je suis très, très contente du résultat. J'aurais dû le prendre plus grand parce que les détails ne sont pas assez définis à mon goût à moi. Mais pour mon premier, je suis très satisfaite. Là, j'en attends un que j'ai commandé avec les trucs de Noël là, pour mettre parmi mes décorations de Noël, pour faire un petit cadre de fond avec ça. Fait que c'est ça. Mais je ne suis pas sûre que je vais en faire 10. C'est quand même long à faire. En tout cas. Puis moi, ben, vous savez, ce que j'aime faire, ben, c'est des découpes pour faire des cartes. Et puis c'est ça. C'est ça que j'aime. Puis c'est ça que je veux continuer de faire. Fait que, avec tout ça, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis je vous dis ben, à la prochaine. Au revoir. Bon, j'ai enlevé mon tapis de souris. Je trouve que ma souris, ça va bien, hein? Je répète, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.